chef, ça fait combien d'heures qu'on médite? Vous voulez dire combien de jours plutôt? Je pense que ça fait au moins 2 ou 3 jours. Ah ouais, parce que moi j'ai comme des crampes dans les jambes, et une petite faim qui me ronge l'estomac. Eh bien, nourrissez-vous du prana. C'est quoi ça? C'est comme on dirait l'air du temps. Aux Indes, il y en a qui restent comme ça, sans manger, pendant des années. Oh ben, ça doit pas être drôle, hein. Allez, bande de fainéants, hein? Non mais, ça fait 10 minutes que vous êtes partis, que vous êtes défilés en douce, et je vous retrouve là, tranquillement assis, à rien faire. Non mais, vous pouvez pas vous remuer un peu le popotin, hein? Allez chercher du travail, il n'y a plus rien à manger à la maison. Oh mais chérie. Ah ouais? 10 minutes? Je croyais que ça faisait 2 à 3 jours de méditation qu'il a dit. Et voilà. Oh ma cocotte chérie, je croyais qu'il n'y avait rien à manger. Tu l'as trouvé où ce poulet? Eh ben figure-toi qu'on me l'a prêté. Alors, après le repas, faudra aussi penser à le rendre. Mais pour ça, il faudrait quelques sous. Tu vois ce que je veux dire, mon poussin? Mais bien sûr, ma cocotte chérie, ma petite reine. La chair a l'air bien tendre. C'est un vrai régal de découper cette petite poule. C'est à moi, si je vous dis Landru, ça vous dit quelque chose? Non, pas vraiment. Eh bien, c'est cet assassin qui, pendant la première guerre, séduisait les femmes seules pour leur extorquer de l'argent. Il les amenait dans sa maison de campagne à Gambet, une maison située en bordure de la forêt de Rambouillet. Et là, il les assassinait et les découpait en petits morceaux. Puis il brûlait leur reste dans sa cuisinière. Une cuisse, c'est à moi? Volontiers. Merci. Ah, il faut dire qu'en tant que policier, on a été souvent confronté à ce genre d'affaires. Mais là, c'est carrément paragoutant que c'est paragoutant. Et il en a découpé combien comme ça? Oh bien, au moins 10 dizaines. Il est bien cuit. Vous reprendrez bien un bras, je veux dire une aile. Non merci, ça ira. Mais et ça s'est fini comment l'affaire? Eh bien, c'est la fumée qui sortait de la cheminée. L'odeur a fini par alerter les voisins. Et ça sentait le poulet rôti? Non, plutôt la dinde. Et puis, il y a une histoire de tickets de train, des allées simples sans retour, je ne sais plus trop. Mais le plus rigolo, c'est que quelque temps après l'exécution, la guillotine, ah tiens, il n'y a plus la tête du poulet. Sa maison a été rachetée par un Américain. Un passionné d'histoire macabre, et il en a fait un restaurant, qu'il a appelé, vous savez comment? Ben non. La poule au pot. Et je peux vous dire que ça a marché du tonnerre. Tous les bourgeois de Paris y amenaient leur maîtresse le week-end, histoire de leur donner la chair de poule, et avant, si on peut dire, de les consommer. Bon sang, mais c'est pas vrai! Il commence à radoter ou quoi? À chaque fois que quelqu'un vient manger du poulet à la maison, il raconte la même histoire. Ça commence à m'inquiéter. Mais non, ma poulette chérie, t'en fais pas. Ton heure n'est pas encore venue, hein? Et puis, il faudrait déjà que tu te remplumes un peu. Avant... Oh, les pattes! Et trêve de plaisanteries plutôt douteuses. Faudrait peut-être, au lieu d'aller méditer cette fois-ci, plutôt aller chercher du travail. Mais bien sûr, ma cocotte chérie. Allez, c'est parti, chef, que c'est parti. Et doucement, doucement, pas de précipitation, c'est moi. Avant toute chose, je vous propose une petite séance de méditation. Ah bon, mais on va pas chercher du travail, chef? C'est en ayant l'esprit serein et apaisé qu'on peut accomplir sa destinée.
et pouvoir influer positivement sur son avenir. N'est-ce pas, Sermois ? Ah, c'est bien comme vous le dites, que c'est bien comme vous le dites. Mais d'ailleurs, ça nous a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Hein, ouais. Moi, j'ai eu une révélation, ou une inspiration, ou les deux, je sais pas trop. C'est des voix que vous avez entendues ? Non, pas vraiment, mais comme une idée lumineuse qui a surgi tout d'un coup. Ah, formidable ! Je le savais qu'à force de se concentrer, de s'acharner à méditer, un jour, il finira par en sortir quelque chose. Dites, c'est moi. On va quand même pas faire supporter à l'État nos vicissitudes. Hein, toucher une pension de chômage, ruiner les caisses de la nation, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin que nous. Enfin, personnellement, en tant qu'ancien policier, moi, je peux pas m'y résoudre. Ah ouais, moi, je pense exactement comme vous, commissaire. Exactement. Ouais, il faut pourtant, comme tout un chacun, trouver de quoi survivre. Ben oui, on pourrait peut-être se mettre à notre compte, on pourrait s'y mettre. Bricoler. Mais bon, je dois vous avouer qu'en 30 ans de carrière dans la police, c'est pas là que j'ai appris à faire grand chose de mes 10 doigts. Hein. Oh ben c'est bien pareil pour moi. Hein. Par contre, notre ancien métier nous a donné quelques connaissances. Mais il faut savoir lesquelles. Il nous a donné quelques ficelles. Les ficelles d'un certain métier, si on peut dire. Ah oui, je vois. On a acquis quelques connaissances dans certains domaines, c'est vrai, comme le vol, le chantage, l'extorsion, l'enlèvement, l'assassinat. Mais bon, on va quand même pas faire comme votre Landru, quand même. Hein. Quoique, séduire quelques bourgeoises, ça serait pas forcément... C'est moi. Avant de devenir un malfaiteur accompli, il faut passer par l'épreuve d'initiation. Dans toutes les bandes de malfaiteurs, on en passe par là. Mm-hmm. Et rien de tel que de s'entraîner sur les personnes les plus faibles, pour commencer. Après, on augmente graduellement les difficultés jusqu'au banditisme de haut niveau. Ouais. Faut prouver ses capacités d'initiative, d'adaptation, de sang-froid. Mm-hmm. Allez, à vous de commencer. Ouais. Allez, à vous de commencer. Ah. À moi de commencer, mais pourquoi moi en premier ? Ok, alors on va tirer au sort. Pile ou face ? Pile. Perdu, désolé. Ça m'étonne pas que ça m'étonne pas. Et toi, comment vas-tu ? Ça va, regarde, j'ai acheté trop de pain au chocolat. Tiens, je te l'offre. Oh, bah, je te remercie. Voilà, en plus, je suis très gourmande de chocolat. Eh ben, te remercie, Christine. Merci. Allez, bonne journée. Bonjour, madame. Vous avez un beau petit pain au chocolat, là, dites-donc. Oui. Ben, mais oui. Il n'est pas un petit peu trop gros pour vous, ce petit pain ? Il n'est pas trop gros, puisqu'on dit un petit pain au chocolat, mon garçon, mais tu racontes n'importe quoi. Ben oui, ça c'est sûr que c'est sûr, mais donc ça ne va pas vous embêter si je vous l'emprunte un petit moment, juste pour voir s'il y a assez de chocolat dedans. J'adore le chocolat. Et parce que donc... Eh ben, faut pas se gêner. T'as pas honte de t'en prendre aux petites dames comme ça ? Hein ? C'était juste histoire de voir si c'était pas une cochonnerie industrielle, ce truc-là. C'est pas bon pour la mamie, ça. Et puis, ça pourrait lui faire mal au ventre, ruiner sa santé. Allez, donne-moi ça. Faut bon sang. Ça va, Sermois ? Je vous sens un peu agité. Il faut se concentrer et réussir à faire le vide dans votre tête. Pour vous, ça devrait pas être trop compliqué. Hein. Bien sûr, chef, mais c'est quand même pas facile que c'est pas facile. Hein.
Bonjour messieurs, c'est pourquoi? C'est pour une petite consultation. Ah, non mais criez pas si fort, on pourrait vous entendre. Entrez donc, entrez donc, entrez, entrez. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, vous devinez l'avenir, est-ce qu'il paraît? Eh bien oui, bien sûr, c'est comme ça que je gagne ma vie. En fait, nous sommes inquiets pour votre avenir que nous sommes inquiets. Et vous feriez peut-être mieux de consulter votre boule. Vous voulez dire pour votre avenir? Non, non, pour votre avenir, à vous. Mais ma parole, c'est bien bizarre tout ça. Oui, par exemple, juste une question. Vos économies, vous savez toujours où elles se trouvent? Mais bien sûr que je sais où se trouvent mes économies, quand même. Vous êtes sûr qu'elles ne se sont pas envolées ou que personne ne les a volées? Parlez pas de malheur. Bon. On va voir ça tout de suite. Mais non, non, elles sont toujours là. Vous êtes sûr? Où ça, là? Dans la maison? Oui, oui, dans la maison. Mais dites donc, vous êtes bien un petit peu trop curieux, vous. Et vous avez rien vu d'autre pour votre avenir? Non, ça a l'air plutôt calme, tout va bien. Vous êtes bien sûr? Absolument sûr, oui, 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 oui. Vous n'auriez pas des allumettes, s'il vous plaît? J'allumerai bien une petite cigarette, si ça ne vous dérange pas. Oui, eh bien, avec plaisir. Eh bien, maintenant, ma poulette, on va te griller la plante des pieds. Et tu vas nous dire où il est caché, ton bas de laine. Si, commissaire, vous avez du mal à vous concentrer, hein? Vous avez du mal. Non, non, pas du tout. Mais vous n'avez pas une petite faim, vous? Moi, je mangerais bien un petit pain au chocolat, tiens. C'est à moi, j'ai une idée. Je crois qu'il faut qu'on abandonne ces recettes du petit banditisme d'autrefois. Non, les chauffeurs, c'est carrément passé de mode. On va tenter autre chose de plus moderne. Vous allez voir. Quelque chose qui a de la classe. Ah ouais, bien. Bonne idée. Ça me paraît être l'endroit idéal, hein? Ouais. Mais je dirais même plus, ça me paraît être l'endroit idéal, hein? On tire à pile ou face pour savoir celui qui va faire le mort? Ouais. Je peux faire? Non, non, c'est bon, c'est bon. Pile ou face? Pile. Celui qui a perdu fait le mort, ok? Ouais. Perdu. Vraiment désolé. Décidément, vous n'avez pas de chance, mon pauvre Sermoi. Hein. C'est quand même bizarre, ça. C'est un peu bizarre, parce que chaque fois qu'on tire à pile ou face avec vous, je perds tout le temps. C'est vrai. J'avais pas remarqué. De toute façon, c'est moi le chef. Je pourrais très bien vous désigner d'office. Mais... c'est mon côté démocrate qui m'incite à faire semblant de vous donner une chance. Oui, je vois tout à fait, oui. C'est comme pour les élections. Après les promesses, on fait ce qu'on veut, hein? Eh bien, c'est exactement ça. Oui. Alors ma poulette, on manque d'écraser mon collègue comme ça? Ben pas trop, il est pas mort, hein. Tentative d'homicide, ça peut aller loin, hein. C'est ça, ouais, t'as raison. Peut-être qu'on pourrait s'arranger avant d'aller courir à la maison Poulaga pour tout raconter. Ouais, ça va, hein. Eh dis, il est pas mal ton collier en or, là. Peut-être que ça pourrait attirer des brigands sans scrupules, pas vrai? T'aurais pas ton porte-monnaie plein d'oseille aussi, dans ton sac?
ta carte bleue, ton carnet de chèques. Ça aussi, c'est dangereux de se balader avec. Ça te regarde, petit malfrat? Ça fait des plombes que j'écoute ton petit baratin carrément minable, là. Tu peux pas aller me raconter autre chose? Eh, malfrat, mais dis, il faut pas se gêner, quand même. Et puis, ta jolie petite voiture à crédit, là. Et on pourrait te l'emprunter. Je pense que ça te dérange pas. Ça te ferait même plaisir de faire un peu de marche à pied. Très bon, tu sais. Et puis, ça t'évitera d'avoir des varices quand tu seras vieille. Dis, tu pourrais pas arrêter de péter de la bouche? Tu m'as bien regardé. T'as la berlue ou quoi, gros nigo? Tu crois que t'as affaire à une cave ou quoi? Dites les bébés, faudrait peut-être se réveiller là, il y a comme un os dans le potage. Hein. Mais ce serait pas serre-moi et la pince? Ah, je sais pas, mais j'aimerais bien les choper quand même. Ouais, chef, c'est étonnant, chef. J'ai eu comme une vision, comme un rêve éveillé. Ah oui? Ah, mais c'est normal, c'est à moi. Moi aussi, ça m'arrive souvent. C'est preuve que notre esprit s'échappe de son enveloppe charnelle et en profite pour aller se balader. Vous avez vu la Sainte Vierge, peut-être? Ah non, c'est pas ça. C'est plutôt comme si j'assistais à une scène d'un film carrément ringard, un nanar. On était sur une route et on préparait un guet-apens. Ah non, non, mais moi aussi. Et vous étiez allongé là. Et on a tenté de braquer une jeune femme. Oui, et même que vous avez triché quand on a tiré pile ou face. Oui, bon, c'est bon. Mais ça, c'est trop fort, c'est à moi. Ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, nous sommes entrés dans une osmose immatérielle parfaite. Et que je peux aussi bien aller dans votre rêve et votre pensée que vous dans les miennes. Et jouer avec la réalité. Ah oui. Ah oui, ah, c'est vraiment trop fort. On recommence, chef? Première précaution, mon cher Savoie. Coupez l'alarme. Deuxième précaution. Ne pas se faire identifier. Et troisième précaution, terroriser au maximum les futures victimes. Oh les mains, que personne ne bouge. Une minute, j'arrive. Je finis mes comptes. Mais bon sang, c'est un braquage que c'est un braquage pour Andouille. Ça serait pas plutôt le carnaval, bande de guignols? Guignol. Tu veux que je te fasse gicler ta cervelle sur ton beau costard? Allez, passe-moi l'oseille ou je te bute, grosse patate. Ça va, doucement. On ne s'énerve pas, ça risque juste de faire monter la tension et pour le cœur, c'est pas très bon. De plus, vous devriez savoir qu'on n'a pas d'argent liquide ici. Et ça fait bientôt 10 ans. T'as raison, gros lardon, que t'as raison. C'était juste pour vérifier tes connaissances. Alors, tu me passes la carte de la banque et le code pour que je soutire la thune du distributeur. Et tu mérites plus le poil avec tes discours vaseux. Et mène-toi, parce qu'on est juste un peu nerveux, capito? Ah, vous êtes de la mafia sicilienne? Fallait le dire plus vite. Non, de la japonaise, les jacuzzi, ou un autre comme ça. Bon, elle est moins connue peut-être. Mais encore plus cruel. Mais bon, écoutez les gars, c'est pas votre jour de chance. Le courant vient juste d'être coupé et les distributeurs sont en panne. Mais faites attention, vos lacets à tous les deux sont défaits. Hey, mais c'est les deux petits potes là, hein? Ça me fait plaisir de vous voir. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, pas facile de devenir des bandits. Ah ça, par exemple, mais je comprends pas, cher monsieur. Un coup, on vous voit en train de défendre une vieille mamie. La fois d'après, le soi-disant neveu d'une voyante sur le retour. Après, gendarme. Non, mais aujourd'hui, vous êtes quoi, là? Un client, le directeur de la banque, autre chose? Rien de tout ça. Je suis juste, tout simplement, votre mauvaise conscience. Et c'est déjà pas mal.
Non? Ah non, 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 sapristi, sapristi. Je l'aurais parié. Eh ben, vous savez quoi? Quand vous continuez vos bêtises. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, une excellente nouvelle. Un préfet, il a décidé de vous réintégrer. Avec une nouvelle mission, un nouveau salaire, une augmentation. Et la médaille du mérite. Waouh, sapristi, j'espère qu'elle est en chocolat cette médaille, on pourra la manger. Et j'ai une de ses fins. Et sa creuse méditation, que sa creuse, pas vrai? Sa creuse, c'est sûr. Ah bon sang, quand je pense à la puissance du mental, c'est pas possible. C'est grandiose. Ah oui, c'est à moi, c'est formidable. Et je crois, en toute modestie, que nous sommes arrivés au stade supérieur de la maîtrise de l'esprit. Tout simplement. Et on ne pourrait pas essayer de le faire disparaître, le gars qui nous embête à chaque fois? Pas sûr que ça réussisse. J'ai rien entendu, non? Et les amis, rappelez-moi vos noms encore. La pince, serre-moi, c'est ça, non? Non, plutôt, serre-moi. La pince. Serre-moi la pince. Alors, chef, pas de méditation aujourd'hui? Ah non, serre-moi. Après toutes ces aventures, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de repos. Ouais, ça c'est sûr que c'est sûr, oui. Dites, commissaire, écoutez ça, c'est pas croyable. La voyante n'a rien vu. Une femme a été découverte par un de ses voisins, ligotée sur la table de son salon. À côté d'elle, un fer à souder allumé. Il n'y a ni vol, ni trace de violence, ni effraction. La victime qui exerce la profession de voyante à domicile ne se souvient strictement de rien et se demande bien comment elle se retrouve dans cette situation. Et le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'ouverture d'une enquête à la police. Ouais. Et qui sera confié au commissaire Lapince et son fidèle adjoint, l'inspecteur Sermoy. Eh bien, c'est bien notre chance, Sermoy. Et moi qui pensais prendre un peu de repos. Ouais, c'est plutôt raté que c'est raté. Mais ça finit un peu en queue de poisson, l'affaire, non? Oui, ou en pâte de poulet. Pâte de poulet, et je vous y prends encore à rien faire. Non, mais espèce de glandeur. Ah, enfin. Chérie, ma petite poulette. Ouh, enfin. Ouh, ouh.